Hey yo les guys, c'est Sergi. Bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, gros match face au Fenerbahçe Champions League, les guys. Ah ouais, c'est Champions League. Donc, en Champions League, tous les matchs qu'on a joués la fois passée, on les a gagnés. On a gagné Barça, on a gagné aussi Fenerbahçe, je crois, à l'aller. Je sais pas quelle autre équipe on a joué avec, mais on a aussi gagné, je crois. Et donc voilà. Et en championnat, on est en train de galérer, les guys. On fait que des matchs nuls. Donc, on est au Parc des Princes et on va essayer de gagner. Et voilà. On marque un but. Voilà. On était en train de galérer un peu là. Je vous mens pas. En tout cas, l'équipe, franchement, le niveau a tellement baissé. Il n'y a que moi qui fait, ou bien quelques étincelles de Mbappé ou Ekitike. Alors là, je sens qu'il y avait hors-jeu aussi, hein. Donc, franchement, je pense à quitter Paris même. Peut-être en décembre, peut-être j'aurais dû quitter même en juin, dès le départ de Messi, il fallait sentir que ça allait baisser un peu. Et vu que l'équipe est vieillissante, hein, avec Neymar, Mbappé, c'est pas vraiment chaud même au milieu. Bon, Renato Sanchez est là. Donc, je crois retourner au Bayern parce que ça avait rajeuni un peu. Mais on va voir, parce qu'en championnat, on est en train de galérer, les gars. Et la jolie passe à Mbappé, voilà. Donc, voilà, cette fois-ci, je crois que tout va un peu mieux là. La passe décisive. En tout cas, j'ai pas encore marqué beaucoup de buts en Champions League. Je me rappelle pas si je crois que j'ai pas encore marqué. Voilà, je crois que c'est la première. Je crois que c'est la deuxième ou troisième passe décisive en Champions League. Donc voilà, la jolie passe, j'avais vu Mbappé partir. Donc sur cette caméra, c'est plus facile à jouer, sans vous mentir. C'est plus facile et je crois que c'est la caméra préférée de tout le monde qui regarde mes vidéos. Bon, je me trouvais mieux sur personnellement pour marquer les buts, je préfère l'autre caméra, mais celle-ci, en tout cas, c'est mieux pour voilà, pour être comment dire, pour être meneur du jeu. Voilà, j'ai ma passe là. Mais quand on est meneur de jeu, on veut voilà, mener son équipe à la victoire. Franchement, cette caméra, c'est la meilleure. Et le match est terminé, les gars. 2-0. Donc voilà, je crois qu'on est qualifié maintenant. Je crois qu'on est déjà qualifié. Franchement, on galère aussi à garder la balle. En tout cas, j'ai des bonnes notes ces derniers temps. Je crois que ça peut améliorer cette saison, peut booster. Alors voilà, 10 points. Donc le Feyenoord, je ne me rappelle même pas si on a joué contre eux. Voilà. Donc si j'ai 6,7, ça serait bien. 6 points, si j'avais 7 points. Alors voilà. Voilà, c'est ce match ici. Je ne veux pas le jouer parce que voilà, je suis remplaçant ici. Pourquoi? Parce que je me fatigue trop et j'ai envie de garder un peu de jus pour les matchs de la qualification. Parce que je voudrais que la RDC, Congo, joue la Coupe du Monde, je veux dire. Alors on se retrouve à mon entrée. Le soutien derrière lui. Il peut y... Oh la frappe! C'est dégagé.
On s'arrêtera là. Ils ont tout tenté pour arracher l'égalisation jusqu'aux dernières secondes de jeu, trahies par leur manque d'efficacité aujourd'hui. Pour votre fidélité, les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique. Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. Kwadwo Asamoah, qu'on a encore vu animer son couloir. Oh, il y a danger. Le Bondry, il frappe. Il avait fait le plus dur pourtant. Des deux points. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Bonjour et bienvenue, on est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc que... C'est une occasion ça. Et ça fait but. Il se savait attendu, il répond présent. C'est clair qu'il lui a pas fallu longtemps pour démontrer encore tout son talent. Ils ont opté pour la simplicité, ils ont eu raison. Comme quoi, un bon appel, ça peut faire des miracles. L'entente a parfaitement fonctionné avec ce ballon donné dans le bon tempo. Le bon centre. Un peu d'air pour la défense. Allez, c'est dangereux! Ça rentre! L'égalisation, ça n'aura pas traîné. C'était la réponse parfaite. Ils ont fait le dos rond, continué à pratiquer le jeu et ça paye. Quel geste! Ça va trop vite, c'est trop précis. Oui, en plus j'ai l'impression qu'ils ne lèvent même pas la tête au moment de la frappe. Ils savaient où était le but et le gardien. Long ballon, Serginho, c'est pour lui, attention. Il est passé, la frappe, attention. Et oui, but. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Serginho, non, c'est le deuxième but dans cette compétition. Intéressant. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Et cette faute pourrait l'obliger à sortir. Pas beaucoup d'angle pour frapper ce coup franc là. Alors, voyons ce qu'il va nous faire sur ce coup franc. Bien servi. Oh, la frappe! Et c'est au fond! Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Va-t-il en profiter? Et le ballon continue de lui coller au pied. C'est joué long. Ça passe! Attention, la frappe! Et ils alourdissent la marque! Trois buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là! Oh oui, super tir!
Oh, l'efficacité diabolique, hat-trick pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. C'est repoussé. L'arbitre siffle. Le match est terminé.